C'est Alexis, monsieur Curé. Pas Alexis au cœur d'or. Pas d'autre que lui. Vous allez continuer, moi, il faut que j'arrête ici. Madame Ray au grand plateau. Encore un coup de cœur, les amis. La misère, c'est faite pour nous autres. Hey, yo! Il est dit, là, le bord! Ah, ça va faire du bien, ça. C'est bien fine, ma femme. Qui donne du cœur à l'ouvrage, hein? Ça prend du solide. De l'eau, mais pas plus. Thank you.
vieille de bord de l'eau de Torna. Ma vieille vache, moi, de l'ouest, puis je lui dis. Lâche donc un poisson, vite. Il y a des guiches, je prends à boire un coup. Ah, mais boule noire, c'est le curé la belle. Bonjour, monsieur le curé. Salut, les gars. Il lui dit, c'est le curé la belle. Curé la belle, c'est ma maison qui est en désordre. Continuez votre ouvrage. Bonne maison, tu t'es monté là, Alexis. Enfin, notre possible, monsieur le curé. T'as lâché un boisson? Ouais. C'est pas la foi de cette fois, vous savez. T'as lâché une créature aussi? La mienne, monsieur le curé. Madame? Monsieur? Je m'excuse du désordre, monsieur le curé. J'étais justement en train de faire mon ménage. Ah, pas tant de cérémonie. Je suis un curé comme un os. Asseyez-vous donc, monsieur le curé. Tiens. J'ai vu que ça commençait à s'éclaircir. Boule noire, il faut bien. On ne veut pas mourir de faim. Rien de difficile se fait facilement, Alexis. Parce que c'est bien dur. La colonisation, c'est pas faite avec des gâteries, mes enfants. Toute la colonisation du monde, c'est faite avec de la misère. Allez-vous loin comme ça? Oh, je m'en vais en installer un groupe pas loin d'ici. D'autres, le long de la diable, ça commence à se peupler. Il y a encore des belles places. Puis, vous êtes heureux quand même? Ben, mariage. C'est bien que moi. Tiens, je t'avais pas vu, toi. Quel âge? Et dis-moi. Il est bâti fort, il est bâti fort. C'est l'avant son père. Je vois bien ça. Continuez. Ben, comme vous voyez, on n'a pas perdu de temps. Plaignez-vous pas. C'est avec des enfants qu'on fait de la colonisation, pas avec des piastres. Ça tient rien qu'à moi, curé la belle, ça va coloniser. Si seulement la société de colonisation nous aidait. Ah. Comment ça? Est-ce que la société de Saint-Jérôme vous a pas envoyé de linge? Ben non, monsieur le curé. Ma femme n'a même pas de manteau pour passer l'hiver. Vous allez en avoir du linge. Qu'est-ce que vous voudrez avec ça? Votre soutane, monsieur le curé. C'est bien toute bonté, monsieur le curé. Un curé, c'est fait pour ça. Bonne chance, mes enfants.
peut pas marcher. Rien pousse par ici. J'ai rien d'arroche partout, partout d'arroche. Curé, la belle a eu 20 ans. Ben, c'est vous autres qui avez tort. Mais c'est une belle place par ici. Ouais, ouais. Je me plains pas, moi. T'as pas à te plaindre, toi, Alexis. Tu passes ton temps à la chasse et à pêche. Pardon, pas de même. J'ai défriché mes 5 ans comme n'importe qui. Je travaille, ça. En par cas, au moins, je ne serai pas ici cet hiver. La femme chez nous qui se meurt d'ennuyance, c'est par rapport que t'as pas le tour de la désennuyer. Tu es la belle. Il sera premier dans le monde. Ta bodillon pousse même pas par ici. Pour le noir, vous avez au moins votre liberté par ici. Vous êtes pas comme en ville. Non, on mange la misère par les deux bouts. Puis à part de ça, que l'argent des terres, là. Qui ça? Le beau Séraphin. Ouais, le beau Séraphin. Il est jamais content. Laissez-le donc faire, Séraphin. Il voudrait qu'on défriche 10 ans par année. Ouais. Il voudrait nous faire mourir. Ben, ça n'empêche pas que le curé la belle, il va nous sauver. C'est ma vache. Ouais. Ben, morte de faim. C'est cette maladie qui se guérit pas. On va sacrer notre candidite avec la première neige. C'est ça qui va arriver. Ouais. Si tu es la belle, dira ce qu'il voudra, ça finit là. Monsieur le curé. Allez, allez, les gars, j'écoute. Ben, c'est comme je vous dis. Ça commence à jaspiner par en haut. Qu'est-ce que tu dis, Isaac? C'est pas moi, Isaac, c'est lui. Ben oui, c'est moi. Puis je me demande comment c'est qu'on va passer l'hiver. Comme tous les autres hivers, mon petit garçon. Tu vas en arracher, c'est la vie. Je pense qu'il faudrait que vous vinssiez leur parler. Les encourager, un petit brin. Un bon mot, ça ne nuit pas. Oui. La femme à la maison mange les barreaux de châssis. C'est long à long. Puis, ce qu'il nous faudrait et tout, c'est des chemins. Oui, cet hiver, on va se trouver pris comme des lièvres dans le bois. Oui, tu peux bien le dire. Des lièvres, des peureux, des flancs mous. Si vous aimez mieux traîner vos carcasses puis vos misères dans les villes, ben, allez-y donc. C'est pas ce qu'on veut dire, monsieur le curé. Je vous apporte la liberté, puis vous n'êtes pas encore content. Des chemins, vous allez en avoir. Un chemin de fer aussi. Boulot noir, un chemin de fer. C'est ça qui nous sauverait. Vous sauverez malgré vous autres. Venez donc nous parler aux colons. Rassemblez-les, les colons. Les mécontents, les jaspineux, les râleux. J'irai leur parler, moi. Ils vont rester dans le nord ou bref. Merci bien, monsieur le curé. Bonjour, Alexis. Bonjour. Bonjour, Isaac. Bonjour, monsieur le curé. Vous autres, les colons, vous plaignez que la terre est pas bonne. Pas bonne, la terre? Ben, ça s'engraisse, une terre. Comme du monde. Travaillez là, votre terre. Bûcher. Labourer. Ensemencer et ça poussera. Non, et non, ensuite, non. Vous serez libre. Vous serez vos maîtres et vos rois. Voyez ces belles montagnes, ces vallées. Et plus loin, ces lacs, les rivières pleureuses. C'est le plus beau pays du monde. Découragez-vous pas, mes amis. Mon chemin de fer, je l'aurai. Que le gouvernement soit rouge ou bleu, je l'aurai, mon chemin de croix. Pardon. Je l'aurai, mon chemin de fer. Et dans 50 ans, les étrangers viendront ici et semeront l'or à pleine main. Mais, surtout, vous aurez prouvé que vous aimez votre pays avant tout. Bonjour, M. Poudrier. Bonjour, M. Curé. Soyez-vous donc. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens vous voir comme agent des terres. Agent des terres, hein?
Mon agent? Ça se donne de même. Paraît que vous avez visité les nouveaux colons. J'ai fait mon devoir, comme je fais toujours, Monsieur Poudrier, vous devriez le savoir. Puis, Alexis Labranche. Ah, un cœur d'or. Ouais, pour les créatures. Je sais pas ce que vous voulez dire. Vous savez qu'il n'y a pas son billet de location. C'est ça, un cœur d'or? Alexis, un squatteux? Voyons donc. Moi, je vous dis ça comme agent d'été. Moi et tout, je fais mon devoir. C'est pas parce qu'Alexis est protégé par le gros docteur, la loi, c'est la loi. Je vais y voir. Vous avez bien fait de me mettre au courant? Moi, je suis fait de même. Même poids, même mesure pour tout un chacun. Oui? Docteur, c'est monsieur le curé. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, Cyprien. Soyez-vous donc, monsieur le curé. T'as pas peur, mon petit Cyprien, que j'écrase ta chaise? C'est vrai, pas du gros monde. Gros ou grosse? Comme ça, toujours en amour, le veuf. Je vous réponds pas. Je vais donc, monsieur le curé. Ah, non, 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 j'ai cassé ma pipe. Mais si mon ami William Scott voulait en acheter une autre... Il vous a déjà acheté une soutane neuve. Il peut bien vous acheter une pipe. Je l'espère, mais... Pour un protestant, le beau William, il se montre pas mal catholique, hein? Mais il y en a un autre qui proteste. Qui, ça? Séraphin, l'agent des terres. Tonnerre de tonnerre, Séraphin, jamais content. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tout Séraphin m'apprend qu'Alexis est squatteur. C'est grave, ça! Ben, c'est faux. J'ai reçu le billet de location de Québec. Tant mieux. Tant mieux. Remets-le à Alexis le plus possible. Excuse-moi de t'avoir dérangé pour rien. Ça me fait toujours plaisir de vous voir, monsieur le curé. Vous êtes un vrai frère pour nous. Bonjour, mon Cyprien. Au revoir, M. Curé. Merci, Grèce. Oh, monsieur le curé. Je vous fais peur? Oh, ce n'est pas cela. C'est plutôt la surprise. La vie, mademoiselle, c'est une longue surprise. Mais on s'y accoutume. Et vous ne faites que commencer. Bonjour. Monsieur le curé? Oui? Docteur, c'est Mademoiselle Angèle. Quel ange? C'est vrai. Tu es folle. Oh. Tu es folle, mais c'est ainsi que je t'aime. Assieds-toi. Nous ne sortons pas? Il fait si beau. Tu vois, c'est le billet de location de mon ami Alexis. Il faut que j'aille lui porter cet après-midi sans faute. Autrement, Séraphin va lui faire de la misère. Toujours les colons, la terre, l'amour de la terre. Tout cela passe avant nos amours. Comprends, mon ange. Ton ange comprend trop bien. Comprends que tu n'as d'amour que pour la colonisation. Quelle jolie femme tu as. Tu auras toujours du goût, toi. C'est pour te plaire, mon chéri. Ne sortons pas. Impossible. Je t'adore. C'est vrai. À demain. À demain.
Même endroit. Trois œufs, tu sais. Bonjour. Il faut que j'aille au malade. Eh bien, voilà, ici. Eh bien, pour ta visite, c'est de la visite. Je suis content de t'avoir, Alexis. Ah, je te félicite, pas l'air de tonnerre. Ça s'éclaircit? Il faut bien, si on veut passer l'hiver. Voici ta récompense, ton billet de location. Boulot noir, docteur. Pas déjà? Comme tu vas. C'est Québec qui me l'a envoyé hier. Je souhaite être le curé de la ville. C'est bien bon mot pour moi, le commissaire des terres. Pas vrai? Il est tellement distrait, il s'en rappelait plus. Ça va comme ça, Séraphin pourra pas te faire de misère. T'es libre maintenant. T'es colon. T'es roi et maître chez vous. C'est tout pour ça? Certain. Ah, je sais bien que Séraphin, il aimerait mieux me voir mourir en exil quelque part. Mais ça sera pas pour ce coin-ci. Hein, docteur? Puis, le bébé? Ah, déjà un homme. Ah, ça pousse par ici. Oui, à mesure que les arbres tombent, c'est les enfants qui remplacent. C'est ce qu'il faut. Bon, bonjour mes enfants. Ah, bonjour, docteur. Voyez heureux. Et merci bien. Bonjour. Alors, docteur. Eh bien, me voilà propriétaire. Un vrai roi. Et puis, un vrai rien. Ah. Y a-t-il quelque chose pour voir, mademoiselle? Ah, justement, monsieur Poudrier, vous avez une lettre. Vous savez que c'est pensé dû. J'attends des nouvelles de ma sœur Prudence, qui me doit de l'argent. Moi et tout, j'attends. C'est long, attends. Vous pourriez toujours me donner un peu de temps? J'attends toujours trop. J'ai besoin de mon argent, vous savez. Si tous ceux qui me doivent me paye pas en temps, je vais me trouver plus pauvre que j'autre. Ça va beau d'avoir un bon cœur, mais il faut comprendre que les bons comptes sont les bons amis, et vous passez pas. Donnez-moi encore un mois, monsieur Poudrier. Rien qu'un mois. Il était bien convenu, mademoiselle Angélique, que si vous me payiez pas en temps, je pouvais saisir vous-même. Vous n'y pensez pas? Me saisir? Saisir mes meubles? Mais ce serait un scandale. Des scandales?
Il y en a de toutes sortes, mademoiselle. Monsieur Poudrier, j'ai toujours fait affaire avec vous. Je vous ai toujours bien payé, vous le savez. Ouais, ouais, ouais. Vous avez des belles mains, mademoiselle Angélée. Vous n'y pensez pas? C'est pas ça. J'y pense trop. Vous savez que ça n'est pas convenable. Je vous ai dit pas, vous savez. Je ne peux rien vous refuser. On peut toujours faire un marché. J'aime bien accommoder tout mon monde. J'ai que ça, c'est plus fort que mon plouet. Comment voulez-vous arranger ça? On peut toujours essayer. C'est pas bien dans vos doigts. C'est bien beau, ça brille comme un soleil. Je ne pense pas que ça sert à rien. On va faire un marché. Pas vous donner mes bagues? Non, pas me les donner, les passer en gage. C'est pas forçant. En gage, ça vous engage à rien. N'oubliez pas que ce sont là des bijoux de grande valeur. Ces deux bagues valent au moins $500. Je crois bien, en effet, c'est bien. Et puis, je crois bien qu'il y a des pierres précieuses et tout. Mais, ça donne rien, ça nourrit pas. Donnez-moi les deux bagues en gare, puis je vais vous attendre. Je vais vous attendre encore 2 mois. Puis au bout de 2 mois, vous me remettrez les 100 piastres à 20. Par ça et d'intérêt pour 8 mois. C'est le meilleur marché que je peux faire. Puis je me vois en haut bien bon. Soit. Mais. Mais quoi? Parlez-moi personne. Platon, mademoiselle Angélique Platon. Préparez-moi un papier, puis je m'en vais vous signer. Attendez, attendez. Pour les 100 piastres. Pour dépenser un timbre, il répond la grande journée des limons. Ça brille plus qu'un soleil.
As-tu été au bureau de poste? J'y ai été. Puis, il n'y avait rien? Il y avait la misère à rien. Ben, je le sais comme toi. Je te demande s'il y avait des lettres. Pour toi? Oui. Il y en avait pas. Mais, il y avait la grosse en rien. Je t'ai dit qu'elle maigrit pas. Plus belle que jamais, plus chouette qu'elle est. En seulement, le gros docteur se marie pas vite. Il sait bien que ça coûte cher. Nourrir puis habiller une créature corporante comme elle, vient d'acheter que ça prend de l'argent. Puis que le gros docteur, il a ses dons. Tu penses pas, la femme? J'ai rien à dire. Les amours de Mlle Angélique m'intéressent pas. C'est assez des tiens. Ça n'empêche pas qu'à force de manger du cochon, puis de la graisse du rôti le soir avant de se coucher, vous trouverez Mlle Angélique morte un bon matin au Roy-Poil. On est toujours puni par où ce qu'on a empêché. Dépêche à mettre la dame, ma femme, j'ai du conseil à soin. Je vais envoyer faire mon train. Que de même. Oh, Gérard. Comme ça, tout autour de la maison. Séance spéciale au sujet des fanaux et autres sujets importants. Ouais, les fanaux. Trois fanaux. On rit pas. Il avait dit, faut décider. C'est pour asseoir. Il est presque mentant qu'on va éclairer. Ouais. Trois fanaux. Ben, voyons, voyons, ça va coûter 40 cents par hiver. 40 cents pour les fanaux. C'est pas cher, monsieur le maire. La grosse argent. La grosse argent. Silence. Silence. C'est qui est en faveur des trois fanaux pour éclairer le village.
Ben, décidez-vous, c'est pour aujourd'hui. J'ai bien peur de parler. Ouais. Quelle scène, Brivet. Trois fenêtres. Ben, voyons, monsieur le maire. Pas de progrès, pas d'avancement. Pas d'avancement, pas de progrès. De quoi ça peut faire, ça, 40 cents? 40 cents, c'est 40 cents. Je l'ai dit. C'est rendu qu'on met plus clair le soir. Oh, je pense à gueule. On peut plus prendre un coup, on voit plus l'auberge. Chiant. On pourrait très bien attendre un autre année. Pour moi, c'est du gaspille. Vous l'avez dit, les fanales, ils nous les font. Ceux qui sont pour, qu'ils disent. Moi, en par cas, je suis con. Vous, monsieur le maire, vous n'avez pas le droit de vote. Je vais toujours donner mon idée. Et vous, Père Ovid, décidez-vous. Ouvrez-vous, c'est le temps. Je suis en faveur. Ouh, le noir, il est à peu près temps qu'on se réveille. Bon, ben, à cette heure que je sais que Mlle Angélique va se trouver éclairée, ben, je m'en vais. À moins que vous ayez besoin de moi. Personne t'a demandé de venir. S'adapter, messieurs. Ouais, s'adapter. À l'humanité. Il reste maintenant... Une minute, messieurs. Je voudrais apporter un amendement par rapport aux fanales. C'est passé, trois fanales. Oui. Silence. Je voudrais apporter comme amendement que les soirs de clair de lune, on n'allumerait pas les trois fanales. Correct, adopté. Écrivez une minute, monsieur le notaire. Les soirs de clair de lune, de beau clair de lune, je pense d'allumer les fanales. Il reste maintenant à régler la question du règlement de la taxe sur les chiens. L'avis de motion a été donné le mois passé. D'après le code, ce règlement doit être adopté à cette séance ici. Je dirais plus. Il doit être adopté présentement et sur le champ. Je demande si c'est une bonne affaire. Le code le permet. Je sais pas trop si... Oui, le code le permet. On peut charger une pièce par chien. Tous les chiens? Je sais pas comment c'est que ça peut rapporter. Rapporter? Ben, voyons, c'est pas difficile à calculer, mon pète. Un chien, une pièce. 10 chiens, 10 pièces. 100 chiens, 100 pièces. 1000 chiens, 1000 pièces. 10 000 chiens, 10 000 pièces. 100 000 chiens, 100 000 pièces. Silence. Vous disiez, monsieur Lafoy, autant de chiens, autant de pièces. 5 000 Certain que 5 000 Faut taxer les chiens, ça rapporte. Avec les taxes, on fait des améliorations. C'est comme ça que ça se passe aux States. Vous devriez comprendre ça, vous, monsieur le maire. Pas de progrès, pas d'avancement, pas de progrès. Je crois bien que je m'en vais voter pour une pièce par chien. C'est pas de valeur, vous, que je n'avais pas de chien. Adopté. C'est vous qui menez le conseil. Non, monsieur. C'est le progrès qui mène.
Là. Adopté. Il avait dit, il faut habiller. C'est tout. Mal, n'est-ce pas assez, monsieur le maire? En effet, c'est tout, absolument et parfaitement. La séance est levée. Hypocrite que t'es. Réponds de quoi c'est qu'il te voulait. Pour l'amour, mon mari, regarde-moi pas de même. Mauvaise créature. Penses-tu que je le sais pas? Mais tu l'aimes toujours? Réponds. J'ai vu la marque de ses bras dans le sang. Direct là au rez-de-chaussée. Bon Dieu qui m'entend, Séraphin. Je te jure que j'ai pas vu avec lui. J'ai pas vu ici. Je sais que tu l'aimes encore, pas vrai? J'ai entendu japper le chien. Je suis sorti de Si bourreau a frappé, il a vu quelqu'un. Je sais pas. C'est qui jappe des fois pour les animaux. Les animaux. Oui. On les connaît, ces animaux-là. Viens. Puis ménage la chandelle. C'est rendu qu'on dépense bien proche 50 cents par année pour s'éclairer. Puis lire. Viens. Les animaux. Viens, mon chien. Viens. De quoi c'est que tu fais là? Ça, c'est de mes affaires. Pour l'amour, de quoi c'est que tu veux au chien? T'as pas envie de le jeter à rivière? Où toi, t'es devant moi? Pour l'amour de moi, Séraphin, fais pas ça! Tu m'auras rien fait de mal, c'est un bon chien! Si c'était un bon chien, il ferait un bon gardien. Il pognerait ici. Blâme-les pas! T'as ménagé sur la longueur de la chaîne, ça fait que le chien, il peut pas faire le tour de la maison. À part de ça, si tu penses que je vais payer une taxe d'une pièce pour mon... Viens d'un chien, il s'est sauvé, c'est de ta faute! Bourreau, mon petit bourreau, viens, je te donnerai de l'argent. Viens, mon cher, viens, je te donnerai de l'argent. Bourreau, viens, je te donnerai de l'argent. Va donc, chéri, je vais payer ta pièce. Aimes-tu faire ça? Ouais, vous? Ah, ouais. Ah, l'autre bord, ça. Puis tu n'es pas peur. Tu vas payer d'abord? Ouais. Non? Combien qu'il te donne? Rien. Ah ben, merci mon petit gars, va-t'en chez vous. Le Séraphin. Séraphin? Oh mon Dieu! Et donc, pas peur! Laisse-le venir! Salut, ici! Chante-moi! Et...
Ça va bien, monsieur Poudrier? Continue donc à quêter, toi, cheval pas. J'aime autant un quêteux qu'un avaricieux. Il n'y a pas de ça. Les quêteux verront les cieux. Oui, 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 ça va faire. Puis, de quoi c'est que je peux faire pour toi, Séraphin? J'ai vu que ça avait travaillé à vache. On trime d'un étoile à l'autre. Je pense bien à venir à bout. Comment c'est que t'as d'orgue de défricher? Mon gars, je suis mes cinq orques. As-tu oublié la caution? Des fois. Monte-moi les. Tu prends pas ma parole? Monte-moi les. Pour douter tout le monde, vous, je serais bien? Non, mais des fois. Tiens. Argent, oui, payer. Argent, 10 piastres. Mon Dieu, oui. Mon portefeuille, et puis... Mon portefeuille, je l'ai perdu dans l'eau.
Ah, moi, séché. Toi, séché. Attends. Moi, j'ai portefeuille toi, chercher maison, toi, mourir. Là, on va manger un bon ragoût de lièvre demain soir. Hein? C'est fait. Puis, es-tu heureux? Regarde dans mes yeux. Ils sont pleins de soleil. Ils sont pleins de soleil, tes yeux. Où est mon Alexis? Es-tu heureux? Chic-choc, rossignol du coin. Choc, pichoc. Femme, tes beaux yeux, femme, tes beaux yeux. Fais beau, tu te tout bouge un peu moins. Hein? Chic-choc, rossignol du coin. Chaud, pichoc, tu fais les quatre coins. Écoute, on dirait... On voit nous, toujours. Oh. Non. mais c'est pas vrai. moi, dérangé, amoureux. Oh, on est pompageux, à cette heure qu'on est mariés. heureux, ici. heureux, et tout. Poulot noir. Le portefeuille à Séraphin. Ton portefeuille? Moi, pêché, lac. On va toujours bien voir. Lui, plouf. Moi, sauvé. Lui, perdu, portefeuille. Moi, plongé, trouvé. Yeah. 10 piastres. Eh bien, en par cas, il est catholique. Une lettre.
des limas. Ben, bouleau noir. Des limas? T'as pas connu des limas? La grande jaune, comme il l'appelle, lui, Séraphin. Dilima, la grande jaune, c'est la sœur, Séraphin. Elle a marié Joe Greenwood, des États. Elle reste près de Boston, tu vois bien, elle a donné son adresse. Ben, comme ça, elle sait pas, la grande jaune, que... Que quoi? Arrive vite à la maison. Vite, arrive. Séraphin promis, Wabo, 10 piastres. Ouais. Bah, y en a un, 10 piastres ici. Prends-les. Wabo, bon garçon. Moi, attends le Séraphin. Eh ben, t'en as de la grâce, mon Wabo. J'attendrai pas après ces appoints, moi. Ouais, ben, t'auras des nouvelles, compte-moi. Moi, confiance. Alexis, bon gageant, Alexis. Jambes de bois, jambes de bois. Monsieur. On a trouvé le trésor, le vrai trésor, tout en or. Mon petit ange. Arrive-tu du Klondike? C'est Wabo qui l'a trouvé. Assisez-vous là, le père. Vous allez voir quelque chose d'étrange. Lisez ça d'abord. Puis le petit vous a pas donné tout l'hiver? Oh non, il m'a bien endormi. Mon cher frère, voudrais-tu me donner des nouvelles de notre pauvre père? Est-il encore de ce monde? Veux-tu me répondre? Je te donne mon adresse. Ta sœur qui t'aime, Delima. Ben, je me demande, boulot noir, de quoi c'est qu'on peut faire avec ça? Je le sais, moi. Puisqu'elle donne son adresse, la grand jaune à Delima, on va y écrire. Drella! Crouillez pas, ça sera pas long. Et c'est moi qui vais vous dire de quoi écrire. C'est ça, envoyez donc, jambes de bois. Si vous aimez ça... Les quêteux aiment la vérité. Ils n'ont rien à perdre. Écrire, tu m'as. Chère madame... c'est un ami qui vous écrit. Il faudra... C'est un ami qui vous écrit. Il faudra à tout prix que vous vinciez en Canada. Votre père est mort. On fait deux ans. Oui, mon petit enfant, mais... ça en fait deux ans. En arrivant par chez nous... En arrivant par chez nous... Rendez-vous chez Alexis. Rendez-vous chez Alexis. Bon, ben, c'est tout, vous signez, madame. Rendez-vous chez Alexis, là, tu peux dire. Bon, rendez-vous chez Alexis. Vous signez. Votre très obligé. Toujours bien, pas boulot noir, mais laisse ça par ici. Angélique, qui est amie avec Séraphin. Non, tu vas aller mal ça à Saint-Sauveur.
Ils ne seront pas. Ah bon. Avec un quêteux, on est toujours heureux. Rangez-les. Tiens, c'est toi, ici. C'est moi. En personne. Et qu'est-ce que tu veux? Je m'en viens veiller, Boulot Noir. Veiller? Veiller, au vent? Je sais bien que t'as manqué de t'enayer, mais t'es pas mort. Je m'en viens veiller. Assure, j'ai une chaise, ma femme. Non, laisse faire. Puis, je te dérange pas, hein, Séraphin? Un voisin, c'est toujours un voisin. De quoi c'est que tu veux que je fasse? Allez, monsieur. Vous le noir. Je vais finir par t'avoir. Je te dis que si tu trouves ici un allumette et une porte, à ta place, je fumais bon. Un vrai engendre. Je savais bien que je trouvais. Je parle de l'allumette. J'ai compris. On peut se parler qu'on se comprend. Pas vrai. Puis, ça l'avance-tu ton lot, Axi? On a du bon monde autour de nous autres. Ça avance. Les pauvres aiment les pauvres. Je ne vais pas t'envoyer ici. Mais on veut se coucher. Je me lève le matin, tu me connais. Oui, tout, je me lève. Ah, à part de ça que j'avais affaire à toi. Dans le particulier? Non, moi, ta femme. Par rapport à ça. Viens lâcher mon portefeuille. Où c'est que tu l'as trouvé? C'est Wabou qui l'a trouvé dans le fond du lac. As-tu une chance, tu? Je te parle. Tu vois, mon mari, si le bon Dieu t'aime. Ce que le bon Dieu fait est bien fait. T'as pas fouillé dedans? Ben, non. Ah, seulement, il y a une chose, Séraphin. De quoi? N'oublie pas que tu dois 10 pièces à Wabou. Je réglerai ça avec lui. Bon. Ah, bonsoir, donc. Bonsoir. Bonsoir, Séraphin. Salut, salut. Les bagues, où sont-elles? Ah oui, mais les bagues. Tu ne les as plus? Où sont-elles? J'aurais voulu toujours te l'avouer, mais par amour propre, tu comprends. Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave. J'ai dû remettre les bagues à ma soeur Prudence. Elle lui appartenait? Non. Mais ma soeur avait besoin d'argent. Tu aurais pu me le dire.
Peut-être que... C'est que tu ne connais pas ma soeur Prudence et son orgueil. Je voulais seulement lui rendre service. Ton grand cœur, toujours. Il finira par te perdre. Me perdre? Pourvu que ce soit avec toi. Vieux fou. Alors, c'est le moment. Tu vois, deux de perdus, une de retrouvée. Pas nos fiançailles. Tu vois bien, mon amour. Oh, mon chéri. Il faut trouver quelque chose, ma vieille. Mais de quoi? Quelque chose. Mon Dieu, il faut que je m'aille chez moi. Ça, je peux pas. Mais mon Dieu, il est trop bon. Voyez, si je trouve les vagues, je vous promets de me priver de manger, de me priver de tout. Je vous promets d'aimer ma femme, de jamais la priver de rien. Je pardonnerai ici tout. Je pardonnerai à tout le monde. Et puis, à part de ça, que je paierai à une grand-messe. Certain! C'est la joie de Padou, c'est de l'ouvrage, cherchez partout. Padou! Oui, dans la maison, c'est mon petit frère qui est malade. Mon docteur! En fait, je vais sortir, mon mari va mourir! Quoi? Viens.
Voyons, Séraphin, qu'est-ce qu'il y a? C'est les bagues, docteur. Les bagues à Valjana, je les ai perdues, je vais ouvrir. Je comprends. Si tu les as perdues dans le foin, on va les trouver. Tu vois, ma femme, j'ai tout reviré dans l'air. J'ai quasiment vidé le grenier le foin. Ah, par quoi, si tu les as perdues aux alentours de la maison, on va aller les chercher, hein? Viens, viens. C'est pire que l'enfer. L'enfer du monde. Donald est venu me chercher. J'étais chez le voisin, heureusement. Il m'a avoué avoir perdu les deux bagues dans le foin. Tes bagues, à toi. Ça fait combien de temps? Ça s'est passé la semaine dernière. J'imagine qu'il n'a pas pu les retrouver. Il va falloir qu'il les paye. Pourquoi avoir menti? Moi, mon amour, je te... Pardon, madame. Bonjour, monsieur le docteur. Quelque chose pour moi, mademoiselle Angélique? Mais oui, madame la pensée. Merci, mademoiselle Angélique. Bonjour, monsieur le docteur. Mais je ne t'ai pas menti, mon chéri. Ben, ne continue pas au moins de mentir. Ces bagues, tu les avais remises à prudence, tu sais. Pardonne-moi, Cyprien. Ça peut toujours s'arranger. Séraphin t'a signé une reconnaissance? Mais oui, je l'ai. Laisse-moi la voir. Elle valait combien? Au moins 500 dollars. Mais je lui ai fait admettre 600. Et Séraphin a signé. Donc, il te doit 500 dollars. Viens te faire payer. Le père vite nous attend. Tout de suite, mon chéri. Le temps de mettre mon chapeau et mes gants. Pas vite, pas vite, pas vite. Ça, c'est un piège. Que je devrais y payer. Oh, Dieu, oui. Ces bagues, c'est pas créant. Je me demande de quoi c'est que j'ai fait au bon Dieu pour qu'un malheur de même m'arrive. Les vieux. Je le sais pas. C'est affaire. C'est le docteur avec mademoiselle Angélique, c'est le père au vide. Soyez. Restez ici, Père Red. On vous appellera si on a besoin de vous. C'est bon, docteur. Bonjour, madame Foudrier. Bonjour, mademoiselle Angélique. Bonjour, docteur. Bonjour, Ronaldo. Asseyez-vous. Ton mari est ici? Mon mari. Ça sert à rien, Ronaldo. On vient chercher les bagues ou l'argent. Viens, l'argent. 500 piastres. Tout un billet 50 piastres du Dominion. Ça, c'est moi.
Vous devriez avoir honte, mademoiselle Angélique. Viens me lâcher 500 piastres. Il y a bien l'argent que j'ai gagné de peine et de misère. L'argent du travail, l'argent du devoir. Vous m'arrachez le cœur. Tu charges assez cher d'intérêt, Séraphin. C'est toi qui devras avoir honte. Force personne. Voici, mademoiselle. Mais moi, j'ai. Ça va sauter à manger, à se rouler et dans la soie moelle, puis les filets de gueule avec l'argent des autres. Mais moi, j'ai. Vous viendrez la forme, ouais, quand vous aurez besoin de belles toilettes pour plaire à monsieur le docteur. Tonnerre de tonnerre, si je m'en retenais pas. Oh, mon docteur, vous n'allez pas vous salir les mains, cet homme est fou. Allez, venez. Tonnerre de tonnerre. Mais venez. Oui, sortez, mademoiselle, puis vous et tout, docteur. Mais vous n'apporterez pas de réponse, cet argent-là. Mademoiselle. C'est 500 piastres de coup sec. Toute ma vie. Je m'en vais me coucher. Puis attendre la mort. On peut aller chercher le docteur. Pas besoin du docteur. T'en supplie, laisse-toi pas aller au découragement. Tout traîne autour des bâtiments, sur la terre. As-tu trouvé les bagues? C'est bête, non. Compte-les pour Pardieu. Va voir.
Il y a une chose ici. Va voir. Regarde. Tout va bien. Tu veux la brume qui lève? T'as pas vu des dimanches? Des dimanches? Ça doit être les maudits bagues. Il faut que je rattrape ça. Donne-moi mon habit de noce. Pour l'amour! Donne-moi mon habit de noce. Je vais voir le curé la belle. Que ces bagues-là, M. le curé, il a fallu que je les paye. J'ai eu la tête baronne. Ça, c'est moi. Je le sais. Docteur m'a tout raconté ça. Puis? Puis, M. le curé, comme agent des terres du gouvernement, je voudrais avoir une augmentation. Ça ne me nuirait pas. Peut-être, mais ça nuira au gouvernement. Je viens de vous dire que ça m'a coûté 600 piastres d'avoir perdu ces bagues-là. Tout ça par rapport que j'ai écouté mon Riker. Comme tout. C'est une grosse épreuve pour moi. Une épreuve? Dites plutôt un châtiment. C'est le péché d'avarice qui me ronge. Oui, vous maltraitez les pauvres. Eh bien, tout se paye. Ils viennent se jeter à mes genoux pour avoir de l'argent. C'est pas une raison pour les égorger, ça. Pensez donc à tout ce que vous avez ruiné. J'ai jamais été un ivrogne, un paresseux puis un courageux. Peut-être, mais vous êtes un avaricieux. C'est aussi pire. Vous êtes la terreur du Nord. Vous êtes sans pitié. Vous avez abusé de la pauvreté de cette demoiselle. La vie comme un erreur. Et vous, comme un exploiteur du sang des pauvres. Personne n'aura pitié de vous. Vous, M. le curé. Encore moins. Et venez pas vous plaindre à moi. L'augmentation. L'augmentation? Jamais. Chacun son tour à payer. Mais quel point de token. Bonjour. Alors, je suis toujours. Oui. Qui? Il n'y a pas de justice en ce moment. Je me couche. Il paraît que Séraphin va mourir. Qui crève le boule noir? Le monde va être bien débarrassé. Il en a fait assez arraché. Dans son thé, Artémide. Le beau petit enfant, ça m'en va. On l'aime bien. Yeah. Fais attention ici. Mais, faut pas. Dis donc, ça souffle pas les bagues dans le foin? Pas plus qu'une aiguille. Crève, beau petit gars, son père. Ouais, bon, on est bien. Mais c'est bien de valeur pour Donalda. Oui. Une si bonne femme. Une vraie sainte. Ça m'a l'air de délimant. Délimant? Ben oui, boule noire. Une poignée du père Henri. C'est elle. La grand jaune. Une vraie apparition. Boulot de mer. Vite, débarrassez la table, tous les deux. Oh! Vous me connaissez?
Oui. La sœur de Séraphin. Moi-même, Madame Greenwood des States. Vous m'avez dit de venir, je viens. Arrivez donc à la maison. Quelqu'un veut vous parler. Vite, Jean de Bois. Mme Greenwood, c'est ma femme. C'est la bienvenue, Mme Greenwood. Et puis ça, c'est Jambes de Bois, notre quiéteux. Asseyez-vous donc, madame. De même, c'est vous autres qui m'avez écrit. C'est moi, madame. Et d'après vous, mon père sera mort. Jambes de Bois, ici, peut vous en dire quelques mots. Oui, je... Comptez donc ça, Mme Greenwood. Il y a 2 ans de ça. J'étais au commencement d'hiver. Séraphin était garçon dans ce temps-là. Il y a 2 ans, ma soeur, je suis arrivé chez eux. Votre père se mourait en haut dans le grenier. Il m'a dit, vite, Jambes de Bois, va crier notaire. J'ai été crier notaire. On est monté au grenier. La terre. Oublie pas des livres. Oh, père. Et c'est le même. Mais vous avez droit à moitié. Votre père y avait dit devant le notaire de vous mettre à moitié. Mais pour ça que c'est la fin, vous n'avez jamais écrit la vérité. Il est fin, c'est la fin. Et il tire à sa fin. Au revoir, boy. Ça se passera pas de même. Êtes-vous prêt à venir témoigner avec moi? Je suis bien paré pour rendre service. J'y vais avec vous autres, moi et tout. Bon. J'aimerais bien ça. Si vous voulez venir avec moi, je m'en vais avec le pirogue. Boule noire, je donnerai ça pour une terre en bois de bout. Allez, libérons Jonas, Jambes de Bois. C'est la fin. C'est Mme Greenwood, sa sœur, des États. Je suis pas la peine d'entrer. Vous Je me trouve la sœur de votre mari. C'est moi, Delima. Ma belle sœur. Oh, je suis bien contente de vous connaître. Franchement. Je voudrais voir mon frère. Oh, ça va lui faire plaisir. Mais je peux vous dire qu'il n'est pas bien de sa santé. Je voudrais le voir, mon frère. Il n'est pas pire, toujours. Oh, il n'est pas mieux non plus. Je peux monter, si vous voulez. Oh, non, non, non. Je vais voir s'il peut descendre. Si vous voulez, attendre. C'est bon.
vieux? Ouais. Ta sœur des États est en bas. Pas Deliba. C'est elle. De quoi c'est qu'elle veut? Je sais pas. Peux-tu descendre? Je comprends, ça fait longtemps que tu l'as pas vue. Arrive. Je vais descendre. Aide-moi, Donaldo. Tu sais que j'ai plus de jambes. Il viendra pas, je connais. Je veux voir mon frère. Il peut en mourir. On ne sait jamais. L'émotion, ça pogne au cœur. Ça pogne au portefeuille, surtout. Délibre, je le savais. Tu ne reconnais pas, Séraphin? Qui c'est qui connaît pas le grand jaune, dis-moi? De quoi c'est que tu viens faire au Canada, toi? Je veux ma part d'héritage, Séraphin. L'héritage qui nous vient de notre père. Je te dois rien. Pas une token. Pardon, monsieur Poudrier. Vous y devez la moitié du bien ici. Vous vous rappelez, quand votre défunt père est mort, j'étais là. Espèce de quête. De quoi c'est que tu viens faire dans ma maison? Je ne sais pas, Séraphin. Puis toi, Haïti, viande de chien, t'as pas assez de courir la galipote, puis les femmes des autres, tu viens réveiller les morts. Vous, le noir, tu m'as déjà chassé de chez nous. C'est à mon tour, à cette heure, à venir te réveiller. Il jouait grand jaune que t'es. Ça sert à rien, Séraphin. J'ai la loi pour moi. T'as pas eu le cœur, anciennement, de rester avec ton vieux père. C'est moi qui en ai pris soin. C'est moi qui a travaillé, qui a peiné, qui a ménagé, qui a broyé. Puis à cette heure, tu viendrais, toi. Donne-moi ma part d'héritage, Séraphin. C'est tout. Sinon, il y a des témoins ici. Il y a le père Ovid qui est huissier. Puis vous, père Ovid, vous êtes tout le temps de postillon du malheur. Crétin, faut bien que je gagne ma vie. Tu m'as pris ma part d'héritage. Je la veux. Tu m'en veux pas, Donalda? Quand le jour de la justice est pour arriver. Non. Je t'en veux pas, Alexis. Il peut en mourir. Je demande ma part d'héritage. C'est tout. C'est juste. Excusez. C'est la loi, Séraphin. Il faut payer.
15. Vos billets de 100 piastres, tout neuf, du 2 millions. Vas-y, Arthur. Vas-y. Oh, papa. Veux-tu, je vais y aller, moi? Le faux, Séraphin. Le faux. Mon argent, chaque... Ça allait bien. Parce que... Je pensais que je comptais. Oh, vieux. Tu vas te recoucher.